En direct sur Europe 1 lundi 4 septembre 2023, Pascal Praud a demandé à Hugo Frey, fraîchement marié, si Cerise, la compagne de Renaud, était enceinte. Ce dernier a confirmé la nouvelle. En fin de journée, dans un communiqué, le couple a démenti cette grossesse. Si est-il à l'occasion d'un événement particulier que le chanteur Renaud a fait une apparition aux côtés de sa compagne. Samedi 2 septembre 2023, il se rendait au mariage d'Hugo Frey et Muriel Mégevant. À l'approche des 100 ans, l'auteur, compositeur, interprète, guitariste et sculpteur français, a dit oui à sa compagne de 45 ans, sa cadette. J'ai rencontré une femme très belle et j'ai décidé maintenant de l'épouser. Je vous annonce officiellement que je vais me marier avec Muriel Mégevant, la bien nommée, avait-il indiqué. Pour cette heureuse occasion, Paris Match était convié à suivre l'événement, le magazine a ainsi partagé une vidéo sur Instagram. Les époux apparaissent à la sortie de l'église Saint-Vigor de Marly-le-Roi, scellant leur amour avec un lâcher de colombe. Pour ce mariage, des invités d'honneur étaient présents. Pas de carnet rose en vue, le chanteur Renaud s'est rendu à l'heureux événement en belle compagnie. Sa compagne Cerise était à son bras. Ils sont apparus sur de nombreuses photos et le ventre un peu arrondi de Cerise a posé question. Ce lundi 4 septembre 2023, Pascal Praud recevait en direct sur Europe une Hugo Frey. S'il aurait pu le féliciter, le présentateur a surtout souhaité en savoir plus sur Renaud et Cerise en revenant sur le mariage. Y avait Renaud avec sa compagne, et si est-il pas trahir non plus un secret de dire j'ai l'impression que la compagne de Renaud attend un heureux événement? Hugo Frey a simplement répondu, puisque vous savez, oui. Dans la journée, Lolita Séchant, la fille de Renaud, a démenti l'information. L'info est fausse. Hugo Frey a sévi, écrit-elle sur Instagram. En fin de journée, par le biais d'un communiqué transmis par leur avocat M. Stéphane Loisy, Renaud et Cerise ont également démenti la nouvelle. Voilà qui devrait taire la rumeur.